Diamond Aircraft présente ici à Friedrichshafen la maquette d'une version turbine à 450 chevaux de son DA50 à 7 places. Le turbopropulseur retenu est l'AI450S russo-ukrainien, fabriqué par Motorzy et Ivchenko. Christian Driss, le président de Diamond, l'a choisi parce qu'il est moins cher et demande moins de maintenance que ses concurrents. Cet avion est destiné pour commencement pour les marchés de l'Est, ça veut dire à Russie et à Sibérie et peut-être aussi pour l'Afrique. Le DA50 ainsi motorisé et équipé de grosses roues d'avion de brousse pourrait utiliser des terrains très courts et ainsi décoller en 200 mètres. Avec des roues classiques, il serait capable de voler à 220 ou 230 nœuds. Il serait donc plus rapide que la version diesel, mais coûterait plus cher en carburant. Le capot moteur serait plus long. D'une part, on doit loger l'échappement et d'autre part, la turbine est plus légère que le moteur à piston. Pour conserver le centrage de l'avion, on doit donc la placer en position plus avancée.